Salut Buenos. Bon là il est 4h20 du matin, il est encore un peu tôt, on va récupérer Charles, ensuite on récupère Pierre pour aller tous faire une voiture commune pour aller récupérer Mickaël et puis on est parti quoi. Allez, on se retrouve tout de suite avec Charles. C'est dur le matin quand même. Ça pique un peu les cheveux, ouais, c'est clair. Donc là. Et là on est stationné, du coup on attend le troisième combat. Ouais, on va y arriver. Et après on va direction chez Mickaël. On se retrouve ensuite. Putain, on voit bien en plus. Hein. Ça filme. Se garer au hameau de la Grenomière. Suivre le GR5 jusqu'à la basse montagne. Durée 2 heures, dénivelé. Bon, ça s'en fout. Combien? Bah, du coup, non, mais tu me décours, on va où? Hello les Bourrinos. On fait une petite vidéo là. Alors, Mickaël, on va où du coup là aujourd'hui? On va au hameau de la Grenonnière. On va déjà essayer de trouver pour se garer. Et ensuite, nous allons au refuge du Taillefer pour aller se trouver un petit couloir à grimper. Ça devrait être sympathique. La classe. Il y a quoi à faire là-bas? Il y a de l'huile. Ouais, ouais. Non, mais il y a des pentraides. Ah. De la pentraide. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti, on y va. Allez. Ouais, Bruno. Ouais. Ouais. Ça fait loupi. On est à 1371 mètres là. Non, mais c'est pas possible, c'est là-bas, y'a pas de neige. On va faire une marche dans l'herbe quand même. On a des crampons des filets à mettre dans l'herbe, y'a rien. On a des crampons des filets. On va mettre des crampons dans la terre. Ouais. On aura du gris. Ça, tu viens. On vous expliquera! Là en face, il doit faire, je crois, 2-3 mètres d'eau. Tu vois, c'est un rocher. Mais je rigole, c'est une blague en fait, c'est juste les rochers qui sont. Ça, c'est une fanny à faire. Le N là, vous devez s'y refaire N correctement. C'était bien parti, mais le N, c'est vraiment. Au début, je me suis dit, il s'écrit bien. Hein. Thank you.
Très joli couloir. Mais il vient pour mettre les crampons. Ah ouais, celui-là j'ai bien dur, ça plante bien. Bien content. Regardez-moi ces alpinistes. C'est pas beau ça? Allez pour une autre. Alors, wouh, bien ou pas bien? On a réussi à faire le couloir, on est content. Ah, en fin de mon grand, ça y est. Objectif en ligne de mire. Bon, plus de détendard avec toute la Alpe d'Huez là, des grilles d'arbres, toute la neige avec les deux Alpes. Et puis de l'autre côté, ça y est, on voit aussi. Bon, en fait, on voit Chambéry là. Non, c'est Grenoble, il y a le Néron. Il y a le Néron, il est dans le crawl. On voit même chez nous. On voit Chamechaude là, ça y est, on le voit. Quel est le plan? Quel est le plan? 40 mètres, on descend. Allez, 40 mètres, on descend. Ok. On le fait en sprint, comme ça, on en parle plus. Moi, je pense que c'est sur les mains. Mais... peut-être pas 40 mètres, mais juste à sous le rocher maximum. Allez, parfait. Après, c'est plus raide. Allez. Vendu. Bon, bah. Oh, mais tu sais que. Bon, les bourrinos, on pensait arrêter l'aventure ici, mais elle se poursuit. Quoi? On vient de signer pour 40 mètres de dénivelé supplémentaire, donc on se retrouve tout là-haut. Ça va être trop bien, ouais, la descente. Le flamme, enfin, le resto. Ils sont motivés. Ils sont motivés. Quel rocher, Michel. Chaque mètre est important. Ah là. Ça y est, on y est tous. On a tous fait le même parcours. Ah, t'as bien. Bon, c'est cool. Les bourrinos, génial. Les bourrinos. 2400 mètres tous. On a tous réussi l'objectif. Et on se fixe 800, on fait 1100. Alors j'espère pas qu'on va se fixer 1200, hein, parce que s'il faut faire 1600, on se fait enfler à chaque fois. Alors, on va nommer cette voie du couloir qui a peut-être jamais été faite par aucun être humain, la voie des bourrinos. Voilà. On va déposer ça au guide de montagne et compagnie. C'est la nôtre. Allez. On prend pas de mouvement. Allez, Mickaël, on va suivre ton exemple. Ah, ça prend bien, hein. La caméra, c'est vrai. Au cas où, ouais. Allez, ouais, je la ferme. Allez. Tu peux la fermer, ouais, Alex, s'il te plaît. La pierre, moi, je vais. Tu vois ? Ça marche, hein. Tu fais ? Donc là, ils partent un peu comme ça, quoi. Ouais. Quand il faut y aller, on y va ? Bah, faut y aller, hein. Allez, carte belle, voilà. Vraiment des mecs responsables qui nous coachent, et je pense qu'on a bien fait d'aller avec eux. On a des mecs raisonnables avec nous, on a bien fait d'aller avec eux. Est-ce qu'on peut faire une simulation de chute avec réception avec le pied là ou pas? En bas, ouais. Ok. Et bah allez, ciao, abandonnage. Ça y est, on les a baptisés, c'est des alpinistes maintenant. Oh, t'as trop picolé au bar d'altitude. Trop picolé, faut faire un...
Ah, comment ça s'appelle hein. C'est vraiment trop drôle. C'est la petite récompense. Jusqu'au bout, c'est ça, franchement. Bien. Ah ouais. Autant la montée, il faut pas se mentir, c'est quand même. Bon, la descente, c'est technique hein, quand même. Ouais. Oh, c'est bon, vous êtes. Polo. Ah, j'ai cané. Mais t'aurais dû te mettre en avant. Quoi? Mets-toi en avant, tu verras, ça glisse bien. Ouais, non, moi j'évite ça. J'y crains. Je l'ai pas vu partir. C'est du curling. Curling humain. Oh, boulot. Oh, moi ça glisse pas, moi. Oh, le miage. Monsieur! T'as perdu ta bouteille! Oh non! Rattrape-la, viens! Ah, c'était drôle comme blague, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'on a galerie. Je vais pas encore retourner.